Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec l'esprit du loup. Le loup qui est le frère des humains, selon les Indiens d'Amérique du Nord, les Lakota, appelé le frère de l'humain, parce qu'il est identique à nous. Il est identique à l'humain, mais qui n'aurait pas perdu sa nature sauvage. Alors aujourd'hui nous retrouvons la vraie nature sauvage du loup, notre vraie nature, ce que nous sommes quand nous ne sommes pas pollués par notre mental qui tourne en boucle. Nous vivons en groupe. Nous vivons avec l'appui des autres, nous vivons notre individualité tout en étant en commun, en meute. Donc, pour honorer l'esprit du loup aujourd'hui, un petit chant sur le loup. Lors des Temascals, des huttes de sudation, c'est l'animal qui est placé à l'est avec le feu, le soleil. C'est l'animal qui enseigne, le loup enseigne. Il nous apprend à être de véritables humains, sains, propres et purs. Fluide et dans notre nature. Le chant du loup. Puisse l'esprit du loup vous guider sur la route, sur le chemin, avec tranquillité, sérénité et enseignement véritable. Belle journée. Au revoir.